C'est une histoire de chair de poule vécue tôt le matin de ce dimanche 16 août 2020 par les habitants de l'avenue Hôpital, où un corps sans vie, des nouveau-nés, décapité, amputé de ses bras, gisant au sol, a été retrouvé à côté de la maison d'un des résidents de la dite avenue. Kaboula Selemani, chef d'avenue Hôpital 2, s'inquiète du comportement des personnes qui se livrent à cette pratique infâme. On m'a venu en haut, il faut vers 6h du matin, je suis en train de me faire un banane conga, pour le propriétaire ou la parcelle, c'est moi. Chef kwa wendo kaone mlango wangu kitu bananitupia. Noro wakati nakuya na constater que banatupa maiti ya mtoto mwenye kuvikwa sachet na masioksi kumikulu, lakini hana na kichwa, hana na mkono mmoja. Mwaveni hospital 2 tuko tunataka kushangaa kama ni kitu mara ya pili tumeiona. Parce que turu ya kwanza kuona kama tuko na morgue ya hospital general wakati ya kukua lupango. Pourquoi période moi il est ndaka ku tosha maiti barizika ku hôpital. Alors il quoi naisha kula mabutumbo yote. Tukaenda ku informer bureau de il kuya hapa tukaona ile constat tukaona kama ni imbwa lakini ku hii façon tunaona haina imbwa. Kitu kinyenye niko nataka ku regretter. Ni bazazi ba mwaveni hôpital parce que njoba najua kasi mtoto yangu iko na mimba. Ule mzazi anakonstate ke mtoto yake alikuwa na mimba. Mimba habaone mtoto kula dizali. Bana pasi kwa kuinformer l'état parce que tunafuatilia ule mtoto kwa kutaka kujua mimba ni ya nani. Na baba garçon beko mu anajua sema alikuwa na fie wake nani fiancé wake alikuwa na mimba, loro anatafuta njia moja ya kumtosha juu anapata habari ya kusema masomo iko na fungulu. Aloro anapaswa kuya kueleza kwa kusema no, mimi ule bibi nilikuwa naishi naye alikuwa na mimba. Hapa sioni kunyana peleka mtoto. Na sisi tunakuwa informer kwa kuweza kwa rete bakubwa ya. Alors que le responsable de la parcelle dans laquelle s'est trouvé ses corps inertes appelle les autorités à s'impliquer pour identifier ces criminels. Il y a des témoins qui ont fait ça. C'est beaucoup plus pour la jeune fille de Tukonabo. À part l'État, à Tim Kona Kedjouanini. Si il y a des témoins qui ont fait aussi longtemps, à Tuyoui, il y a des témoins. Mais il y a des témoins qui ont fait des témoins qui ont fait des quartier. Pour les gestes, vraiment, il y a des tuseme ya kwamba bafie banaleta bitu biaya. Kwa sababu mtoto anasema ni imbo alizala tu bien angalenge na kitofu yake. Anavalisha makaji kusema gara mtupa ku parcelle. Petere mtafuta maneno na batu. Kuriki batu bafike baseme o fulani fulani. Mejusi kila tunasema kama atuyayua kia siku fanya. Melete peke shurlike kwa hii mambo na pitikana. Ce n'est pas pour la première fois que ces genres d'événements tragiques se produisent sur cette partie de la ville de Kalemie.